est sur le chemin pour aller à Picard. Ils ont sorti une collection Noël végétarien, végétalien, je ne sais pas. Du coup, c'est parti. C'est là. C'est quoi ça? Marron pomme figue. Ah. Ah bon? Bah, je crois que c'était dedans. En fait, c'est juste qu'on a un défi particulier à relever aussi. C'est que. Bah, j'ai pas de four. Donc, on va voir du coup si les produits Picard à destination de four sont chauffables sans four. Ça va à la poêle. C'est pour le four, mais ça va à la poêle, tu vois. Ouais, bah, on tente. Hein. Vas-y, on part sur les sapins. Vas-y, les petits sapins. Ils sont trop mignons. Ils sont vraiment adorables. Et ils vont pas du tout avoir cette tronche là parce que je vais sortir du four. Vas-y, c'est parti. Allez. Ouais, ce sera peut-être plus simple. Tu fais ça super bien. Merci. Ah mais oui, c'est celui-là qui avait l'air très bon. Ouais, bah elle me donne tout de suite moins envie. Ouais, c'est vrai. Il était là. Tu penses quoi? Comment tu ça, je pense quoi? Tu penses qu'il va être comment? T'as vu dans combien de temps on doit le manger? Ah! Ça va partir au micro-ondes, non? Ah! Je pense que ça va être comme du tofu un peu ferme. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. On va voir. Parce qu'attends, si c'est des pommes, moi ça me va pas. Merci de lire pour moi. Pommes. Ah, donc c'est pas des pommes de terre. Marron, pomme, beurre, figue, miel, épices, zeste d'orange. C'est un dessert, non? Je comprends pas. Ouf. Non, mais je pense que c'est pour accompagner du gibier, tu sais, comme je t'ai dit là. Oh! Il n'y a pas de patates. Toujours pas. We found it. Du coup, il n'y a absolument pas de champignons dedans. Ah si! Là-bas, c'est quoi? C'est pas des cèpes? Il y a écrit champignons là. Il y a écrit champignons. Là. Champignons de Paris. Morille. Ouais, vas-y. Bon, et bah, je pense qu'on a de quoi faire là. T'en dis quoi? Ah, encore d'autres choses. T'as les mains oranges. Oui. J'ai pas mis dedans. Deuxième mission, on cherche un peu de déco de Noël pour égayer un peu notre vidéo qui risque d'être sinon très triste. Ici c'est ghetto. Eh hey, mais il y a de la vaisselle et tout. Ah, faut pas sous-estimer, non? Ah oui. Bah super, choqué. Eh bien, nous pouvons dire que notre mission est réussie. En vrai, ouais, on a tout brûlé, hein. Ok, petit setup en préparation. Non mais en vrai, c'est trop mimi. Bah c'est tout. C'est vraiment genre le seul esprit de Noël dans l'appart. Là, c'est vraiment genre ce que vous voyez. Ce que vous ne voyez pas. Et surtout, ce que vous ne voyez pas. Putain. Dès qu'on se laisse 5 heures au réfrigérateur. Hein. Ok, c'est donc le délice végétal. Là, il est encore congelé. Mmh. Alors, comment... Ah mais ils sont pas faits. Alors, avant le repas, à ton avis, c'est quoi qui va... J'ai pas le mot. Séduire ton cœur? Bah, c'est sûr, les patates. La purée. Ouais, la purée... Mais non, mais parce qu'il y a celui-là. Préparation préconisée par Picard est la suivante. Four. Ah oui, non, c'est vrai. On va faire décongeler au micro-ondes. Oh. Asperge. Ah, attends, on peut... Ah, j'allais dire on peut deviner, mais en fait, j'aurais jamais deviné qu'il y a de l'asperge. Carotte, patate douce, cranberry, oh. Asperge, fève, floumâche. Fromage. Fromage. Ok. Attends. Ah ouais! Tu sais, je me demande comment il est en couleur.
Ça sent trop la patate, j'adore. Ça sent de ouf la patate. Elle sent bon ta poêle est festive. Ah ouais, elle sent vraiment genre... La fête. Bah les repas de Noël. Pour l'instant, Picard déçu de rien. On n'a pas encore goûté. Mais en tout cas, dans la préparation, malgré voilà. Le fait qu'on ait rien écouté... Ce que j'allais dire, c'est que même si c'était censé être du four, nous avons réussi. Ben oui, et nous avons réussi, je dirais même brillamment. Mais c'est génial. Je suis fan. Sympa ce foie gras. Donc c'est bon, du coup on a réussi à faire tout ce qu'on voulait, même les produits qui étaient à faire au four. On prend un petit sapin en voie des forêts, je sais pas si c'est salé. Tu le prends pas en entier? Bah non, il est cassé. Mais... Ouais, ok, bonne patate. Franchement, ça serait meilleur au four, je pense. Ouais. Même sans four, c'est une franche réussite. Ouais. Ok, next. La 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 la. Patate. Pour toi-même. Un peu déçu. C'est grave à queue. Ouais, c'est ça. Ça aurait pu être. Mais c'est trop plongé dans l'eau en fait. Donc du coup, c'est. C'est vrai. Peut-être à la poêle, c'est mieux. Le clou du spectacle, qui je pense. Ah, bah. Putain, mais c'est du faux foie gras. C'est assez bluffant là. Attends, c'est ouf. Texture, franchement, c'est genre impeccable. Non mais c'est bon. Bon comment? C'est bon. Bah ça a le goût de foie gras. Ça va. Oh ça s'en rapproche hein. Non franchement Ah ouais non je suis choquée franchement. Les vegans run don't walk jusqu'à puke. On a aussi pris des petits desserts. Deux bonhommes de neige glacés. Des bonhommes de neige. Des bonhommes de neige. Des 8 chevaux de manège en mousse. C'est à nous de les faire. Oh, il lui manque des yeux, non? Il a un petit trou dans sa tête. Ah oui, d'accord. Le cheval. Ouais, ok. Pas les deux, hein. Ouais. Bah, je reteste pour être sûr. Pour être sûr. J'ai envie de le prendre comme ça. Du coup, s'il fond, je pourrais pas le prendre comme ça. Hein. Non, tu vois. Ouais. J'en suis pris. J'en suis pris. En fait, tu le sens un peu se détruire sous tes doigts. Non, pour une portion, il y a 15% de sucre. On n'a qu'une vie. Bilan de ce repas. Mitigé. Ouais, de bonnes surprises. J'avais très peur pour le faux foie gras. C'est pas dégueu. En fait, il faut réassaisonner. Bah, t'enlèves le jus, tu jettes le tout. Ensuite, tu recoupes les patates et tu refais toute la poêle. Non, en vrai, pas à ce point. Ouais, bon, ce qu'on a kiffé, la purée. Ouais, et les patates, ça va. Et le foie gras. Bon, bah voilà, dites-nous si ce nouveau format vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche. On ne sait pas quand est-ce qu'on va poster. Dans une semaine, dans un mois, dans un an. Et dites-nous si vous avez testé les produits Picard vegan, végétarien, je ne sais pas. Et gros bisous. Allez, bye. À toutes sur Insta et TikTok et tout. S'il vous plaît.